Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis poissons pour votre tirage sentimental de ce mois de juillet. Allez, c'est fini ce mois de juin, on passe à ce nouveau mois, le mois de juillet. Il fait beau, il fait chaud, c'est le moment d'en profiter et donc d'aller voir ce qui va donc se passer, se révéler pour vous au niveau amour. Allez, c'est parti avec cette lame du petit oracle des anges, un petit message au niveau amour, guérison, protection. Que va-t-il donc se passer pour vous? Hop, ben vous saurez tout ceci à la fin du tirage en croix. Allez, c'est parti, on demande à l'univers un message sentimental pour tous les poissons et les ascendants pour ce mois de juillet. Voilà. Que va-t-il donc se passer pour vous? Le plus simplement possible, je vous invite à prendre de quoi noter pour intégrer tout simplement ce tirage. Vous pouvez vous offrir le cahier tarot divinatoire que je vous ai confectionné et qui sera d'une grande utilité. Allez, c'est parti avec la première lame, l'interminable tristesse du passé. Les regrets sans fin, le chagrin obsessionnel, cette répétition du passé. Tu te sens blasé, ennuyé, tu ne sais plus quoi faire de cette vie qui donne aucun sens. Tu es d'une certaine façon arrêté, immobilisé, cristallisé sur place et tu n'arrives pas à trouver cet amour qui pourrait d'une certaine façon te sauver. Alors bien sûr, avant toute chose, personne ne peut te sauver à part toi-même. C'est très important que tu en prennes conscience. Je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un conseiller matrimonial, comme certaines personnes sont venues me dire, ça m'a fait bien rire d'ailleurs, ou coach amour, ou love coach. Non, je suis là comme accompagnateur et guideur pour t'amener en fait à prendre conscience de ta propre situation dans laquelle tu es. D'accord ? Tu peux arriver à t'en sortir hein, par plein de moyens différents. Mais c'est vrai que si tu écoutes avec attention l'appel de ton cœur, alors tu sauras où c'est que tu dois aller. Et ce que tu dois faire, même si c'est hors norme par rapport à la société. Donc bien sûr, l'obstacle pour toi, c'est cette sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Tu as cette conviction que rien ne peut s'améliorer dans ta vie. Tu as cette conviction que l'amour n'existe pas. C'est inconscient, d'accord? Mais maintenant que tu as pris cette pensée inconsciente, on va la rendre consciente. Tu comprends? Ça veut dire que maintenant que tu sais que le changement est inévitable et que rien n'est permanent, tu sais que ça fait combien de temps que tu es resté dans cette tristesse? Ça fait combien de temps que tu t'es resté seul, isolé, dans ton coin? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu as décidé de cliquer sur cette guidance parce que le hasard n'existe pas. Et aujourd'hui, tu vas sortir, rencontrer de nouvelles personnes dans des nouveaux endroits, dans des nouveaux lieux, en ayant le sourire aux lèvres. Parce que tu sais que tu vas avoir des merveilleux événements qui vont venir à ta rencontre. Et ça, c'est délectable pour ta petite âme qui veut que tu t'en sortes, qui veut que tu rebondisses. Alors bien sûr, on a ici le petit chaperon rouge. Je ne suis pas une victime, d'accord? Donc il est très important de te le rappeler, ok? C'est pas parce que les autres veulent te manger,
veulent t'attaquer, veulent te rabaisser, que tu n'es pas capable de devenir une personne libre, autonome et indépendante. C'est pas parce que tu as cette sensibilité extrême que tu dois te rabaisser au monde extérieur. Au contraire, cette sensibilité n'est pas un fardeau, n'est pas une malchance, n'est pas un sort que l'univers t'a envoyé. Non, au contraire, c'est un don que tu dois exploiter, c'est un don que tu dois renforcer. Et si tu as des larmes qui coulent sur ton visage ou des frissons ou un petit frisson qui vient d'apparaître dans ton cou, oui, ce petit air frais, cette porte qui claque là, juste à ce moment, ou la bougie qui vient de s'éteindre, ce n'est pas un hasard. Tout est fait pour que tu prennes conscience que tu n'es pas une victime. C'est ce qu'on appelle les synchronicités de la vie. Fais confiance à l'univers. Tu verras que tout finira par aller mieux. Alors bien sûr, on a ici la fée abeille qui t'indique que ma vie est douce. Bien sûr que tu restes dans ton coin, seul, tranquille. Donc il n'y a pas de souci. Ta vie, elle est douce, tranquille, tu es dans ta zone de confort, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tu es entouré de personnes puisque tu es victime de ta vie et tu adores que les gens prennent soin de toi. Mais c'est vrai que si tu prends la responsabilité d'être un exemple pour les autres, tu vas te retrouver seul. Et ça, est-ce que tu as envie d'expérimenter cette solitude et d'être un leader, une leaduse pour les autres, et non une suiveuse ou un suiveur. Ça, il n'y a que toi qui peux faire ce choix-là. Blanche-Neige et ses amis, les animaux, vous indiquent que vous inspirez confiance. Avec cette gentillesse, cette honnêteté, cette bienveillance et ce sourire que tu as, naturel, tu inspires confiance. Et ça a une grande importance. J'espère que tu ressens l'amour que je t'envoie et j'espère que tu apprécies la personne que je suis. Je suis là en toute vulnérabilité pour te montrer que tu peux avoir confiance en moi et que tu peux avoir confiance en toi. Et que ensemble, on va travailler pour que tu sois guider et accompagner vers quelque chose de mieux que ce que tu vis actuellement. Alors le message du petit oracle des anges ici t'indique tout simplement l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Fais confiance à l'univers et tout ira bien. Allez, à tout à l'heure.